Bonjour, 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 chers membres, bonjour, chers leaders. Voilà, donc ce matin, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut faire un retrait via Bitcoin à partir de du solde de compte CroadOne. Voilà, donc pour pouvoir faire un retrait, vous devez d'abord au minimum avoir 20 euros sur votre compte. Voilà, donc une fois vous constatez que vous avez un minimum de 20 euros sur votre compte, vous allez dans le menu et vous cliquez sur le paramètre et compte. Vous cliquez sur Withdraw Bitcoin et rapidement vous le trouvez ici. Et là, vous allez saisir le montant que vous voulez retirer. Je vais saisir par exemple 100. Et là, vous allez maintenant aller récupérer votre adresse Bitcoin. Vous partez récupérer directement votre adresse Bitcoin. Et ici, je vais par exemple envoyer l'argent sur mon compte Trust Wallet. Au lieu d'envoyer sur l'adresse blockchain, je vais envoyer sur Trust Wallet. Là, je suis ici. Voilà, donc je choisis Bitcoin et puis là je clique sur recevoir. Là, quand je clique sur recevoir, vous voyez comme ça, l'adresse est là, je copie et directement après avoir copié l'adresse, je viens et je reviens sur la page. Et ici, ils ont mis adresse Bitcoin, donc je colle l'adresse ici. Voilà, donc vous voyez que l'adresse a été collée. Apparemment, Trust Wallet, tel que je constate, c'est pas pris en compte. Donc, je vais plutôt prendre mon adresse blockchain. Voilà, je vais plutôt prendre l'adresse blockchain. Et comme vous le constatez, je suis sur un téléphone, donc il faut qu'on s'adapte au menu du téléphone. Voilà, si c'était sur un ordinateur, voilà, le menu serait différent. Donc, à partir du téléphone, puisque je sais que beaucoup de personnes utilisent le téléphone, donc vous cliquez, lorsque vous serez dans votre compte blockchain, vous cliquez sur recevoir ici. Et recevoir, voici l'adresse, vous cliquez dessus, et voilà. Oui, l'adresse a été copiée et rapidement, on va repartir sur la page. Voilà. Donc, je vais venir coller maintenant l'adresse ici. Et là, une fois vous avez collé l'adresse, le montant. Voilà, donc j'ai mis 110 le montant avec l'adresse. Et là, je fais. Le montant en BP, donc, c'est que j'ai mal écrit le montant. Donc, 20 euros égale à 200 BP. Donc, je vais juste changer. Voilà, je vais juste changer. Puis je vais mettre dans ce cas 1000 BP. Voilà. Donc je lance le retrait. Voilà. Donc le retrait, on est le retrait a été lancé, mais que je dois confirmer. Donc je vais aller dans mon mail pour pouvoir confirmer.
Et là, c'est le mail avec lequel vous vous êtes inscrit sur CodeOne. C'est ce mail-là que vous devez utiliser. Donc, je vais juste me rendre dans le mail pour voir la confirmation. Est-ce que la confirmation est déjà arrivée? Non, je n'ai pas encore reçu la confirmation. Donc, j'attends. Voilà. Souvent, ça peut venir en message spam, mais bon, je me rends compte que ce n'est pas encore le cas. Donc, j'attends toujours. Voilà. D'un moment à l'autre, la confirmation va venir. Effectivement, la confirmation est là. Donc, c'est juste un code. Et ce code, je vais le récupérer pour aller maintenant l'utiliser comme message de confirmation. Donc, je reviens ici. Vous voyez, quand vous venez ici, voilà, vous cliquez sur maintenant transaction. Et là, transaction, ils ont dit statut de la transaction. Donc, j'attends juste que je fasse, je fais rentrer maintenant le code de confirmation. Et vous avez vu, voilà, la transaction est en cours. Voilà, on a la transaction en cours. Et effectivement, après un certain temps, voilà, la transaction sera confirmée. Si je veux, je peux annuler comme je peux ne pas annuler. Voilà, donc on va aller vérifier juste le sort de mon compte pour voir si réellement il n'y a pas eu diminution ou s'il y a eu diminution. Effectivement, il y a eu diminution. Voilà, il y a eu diminution. Actuellement, il reste maintenant 62,93 € sur mon compte. C'était plus que ça avant. Voilà, donc voilà un peu comment on retire l'argent en Bitcoin. Je vais en même temps rappeler quelque chose. Souvent, il y a des personnes, quand vous êtes en train de faire ce genre de démonstration, vous leur laissez des vidéos et du coup, pendant la manipulation, il faut des bits, des gift codes déjà créés dans votre compte. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, CodeOne n'est pas comme les autres business où on peut se permettre de prendre les codes des gens de cette manière, n'importe comment. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, tous les codes que nous utilisons, que vous avez vendu à quelqu'un ou pas, ou bien même que quelqu'un les copié, je peux dire, par erreur ou par n'importe quel moyen dans votre compte, les codes-là laissent des traces. Voilà, donc voilà ici par exemple des codes utilisés depuis le sort de mon compte. Tout ce qui est comme code, depuis que j'ai commencé à faire CodeOne, tous les gift codes que j'ai vendus, voilà, la trace se trouve dans mon compte. Et que ce soit des codes que quelqu'un ait volé dans mon compte ou pas, mais la trace reste. Donc, ce qui fait que vous pouvez poursuivre la personne, vous pouvez juste écrire à CodeOne et puis directement, CodeOne peut juste suspendre ce compte. Peu importe le nombre de downloads sur le compte, peu importe ce qui se passe dans le compte, CodeOne peut juste supprimer le compte si réellement vous avez confirmé à CodeOne comme quoi vous avez été volé. Voilà, donc c'est de juste vous dire que ne prenez pas la peine de copier les codes des gens lorsque vous allez les voir dans ce genre de messages. Vous allez les copier pour soi-disant aller utiliser et puis bon, de façon frauduleuse, aller valider vos achats avec. Si vous le faites, vous allez perdre. Voilà, vous allez perdre parce que je suis sûr que quand vous le faites, vous allez vendre à des gens et que ces personnes également vont commencer à référer des gens. Imaginez que quelqu'un qui a déjà peut-être refait 10 à 20 personnes et que tu pousses, il se rend compte qu'un beau matin que son compte ne peut plus accéder à son compte. Et que lorsqu'il va écrire peut-être à CodeOne, on lui signifie directement que les gift codes qu'il a utilisé pour valider son compte ont été volés. Imaginez un peu. Donc franchement, il est mieux que ce système de CodeOne aujourd'hui, on évite d'avoir des comportements genre ce que les gens ont dans les autres marketing tels que, je ne peux pas citer leur nom, mais qui ont fait aujourd'hui, qui sont la cible de toutes sortes de critiques dans le monde entier. Franchement, CodeOne est un business que nous devons protéger. Évitons véritablement des comportements qui ne sont pas vraiment dignes d'un être humain, je peux le dire, dignes d'un être humain. Parce que ici, par exemple, la personne qui a pour pseudonyme ici, je vais trouver un des pseudonymes rapidement. Voilà. Il y a certains pseudonymes ici. Bon, je crois que puisque j'avais déjà peut-être signalé, voilà. Et comme j'avais déjà signalé, je pense que CodeOne a simplement supprimé, voilà, CodeOne a simplement supprimé
ces pseudonymes, mais il y avait un certain nombre de personnes qui avaient utilisé certains gift codes ici. Et je l'ai fait exprès, pour voir un peu ce que mes abonnés, ceux qui sont surtout abonnés à ma page, allaient faire. Et je me suis rendu compte que certains parmi eux se sont juste donné la peine d'aller copier les gift codes que j'ai pris pour faire la démonstration des vidéos de comment est-ce qu'il faut retirer l'argent en Bitcoin. Et ces personnes ont juste utilisé ces gift codes pour aller valider leur achat sans que moi-même je leur ai donné. Voilà, donc ça veut dire que si vous vous comportez comme ça, vous allez toujours perdre. Voilà, vous allez toujours perdre. C'est vrai, la personne que vous avez pris ces gift codes aussi va perdre, mais vous allez perdre encore deux fois. Parce que peut-être que même si vous avez déjà fait votre KYC, Claude Van va juste supprimer votre nom et que même si vous décidez encore de vous inscrire, que après avoir fait votre KYC, on se rend compte, ils se rendent compte que c'est la même personne toujours. Vous aurez fait du mal pour rien. Voilà, donc il faut être vraiment honnête dans ce business. Claude One, il faut être vraiment honnête. Il faut être vraiment une personne digne de confiance qui ne cherche pas à voler n'importe où. Voilà, c'est la meilleure des choses pour nous aujourd'hui afin que notre belle opportunité qui est Claude One ne soit pas comparée aux autres opportunités qui existent aujourd'hui. Qui sont vraiment qui ont fait qu'aujourd'hui les gens sont en train de les fuir pour plutôt venir dans ce business de Code One. Voilà, donc merci beaucoup. C'était un peu la démonstration que je voulais vous montrer. Voilà, abonnez-vous à ma page, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas dans ce business qui se permet souvent de faire. Parce que simplement, ils ont vu que Claude One est rapide, Claude One est facile, on peut se permettre de tout faire. Mais sincèrement, Claude One, c'est le business le plus sécurisé au monde. Voilà. On peut retrouver la trace de tout ce qui se passe, même si la personne n'a pas pris de l'argent sur le sort de son compte pour créer des gift codes, même si la personne a pris des bitcoins pour créer des gift codes. Mais les gift codes que la personne a créés, cette personne devient propriétaire. Et quand vous voyez ces gift codes, de grâce, ne l'utilisez pas. Si vous avez besoin d'utiliser ces gift codes, appelez simplement la personne pour lui demander la permission. Si elle vous le donne, voilà, si elle vous donne cette permission-là, vous pouvez utiliser ces gift codes. Sinon, si vous le faites, franchement, vous serez en train de détruire notre business parce que de bouche à oreille, ces genres de paroles vont circuler, ça va partir. Et puis un jour, dans un an, dans deux ans, Claude Van sera encore pointé du doigt négativement dans le monde entier. À cause de qui? À cause de vous, à cause de votre bassesse, à cause de votre faiblesse. Franchement, les gars, comportons-nous très très bien pour ne pas que nous détruisions nous-mêmes notre vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.